Et bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de notre 11e mission Icarus en coop avec Lodos et Capo. Et aujourd'hui, on rassemble tout ce dont on a besoin pour aller faire le scan. Allez, c'est parti. Tiens, faudrait remettre un peu de... remettre un peu de feu. Il nous restait du... Ah, lag. Oui, du charbon. Je lag beaucoup ce soir. Ouais, moi aussi. Le loup, là, je l'ai raté trois fois à cause des lags. Le loup, il m'a donné 10 primes. La vache. Ah, j'ai quasiment rempli le composteur de baies. Ben, j'avais fait pareil et je l'ai rempli deux fois en fait et ça va tellement vite. C'est ça. Ça là-dedans. Ah! Oh non, des vents violents, putain, moi je suis à perte de les voir. Ok. Bah ça fera 50 poudres à canon de plus. Et pas de fleurs de roseau autour de ce lac. Oh les boules. Et un fabricateur qui marche. Et du coup, pour le... L'extracteur. Ah, c'est que 5 électroniques. Zut, j'ai fait trop d'électroniques. Tu vois, j'avais pas fait des lanternes en tir 4. Pas du tout. Bah, elles sont passées où les lampes du tir 4? Flashlight, elle est là. Oh, il n'y a plus la lanterne qu'il y avait. Donc 40 lingots de fer. Mais non, elle est pas nulle, XK. Et puis je réponds avec un quart d'heure de retard. Hein. Comme Sabdam. Ok, on a deux extracteurs. Moi j'ai déjà un radar sur le dos, donc je pourrais pas les prendre. Les balles. Ah, par contre, c'est super lent pour faire l'engrais. Hein? Non. Ah, mais ça les fait 10. C'est rapide. Ça les prend 10 par 10. Oui, ok. Oui, ça les prend 10 par 10. T'as toujours ta lampe d'allumée. Oui, c'est vrai. Et comme ça, au moins, on met plus le feu. C'est ça qui est bien. C'est pas fou. Par contre, j'avouerais que 10 poudres à canon pour un sachet d'engrais, c'est plutôt pas mal. Et surtout quand on voit ce qu'il coûte. C'est-à-dire quasiment rien. J'aimerais bien. Le composteur, il te demande quoi pour le crafter? Pour le crafter, le composteur, ouais. Il faut 5 fleurs fanées, 10 soufre, du bois et je sais plus quoi.
25 bois, 10 pierres, 5 fleurs et 5 soufre. 5 fleurs fanées. Ouais, il faut le faire rapidement, en fait, ça. Ah ouais, tu le fais rapidement et tu t'en fais plein. Quand t'as besoin de balles ou quoi, la poudre à canon, elle coûte que dalle, en fait. Oh, et le hunting rifle, en fait, c'était 40 lingots de titane. On aurait pu monter là-dessus. Ah. Ou de passer par l'acier. Ceci dit, 40 lingots de titane, c'est 200 titanes. Donc ça en fait quand même beaucoup. Hein. On va bien trouver des légumes quelque part. Ah tiens, j'ai des pastèques là. Des côtelettes à faire cuire. Ce qui va manquer encore 110 poudre à canon pour ce qu'on voulait. On va pouvoir avoir un stack chacun. On en a 80 là de fait. 90 même. Je vais mettre quelques pastèques, voir si ça se transforme en pareil. Ça a l'air de périmer aussi vite. C'est une bonne nouvelle. Ouais, pareil, c'est un peu fort. Ouais. Charbon là. Le bacon cru. C'est pas moi qui l'ai pris. Bacon cru, c'était dans le feu de droite. Non mais j'en avais sur moi, là, mais je ne vois plus aller là. C'était caché ? Ouais. C'était caché. Dommage qu'on puisse pas manger de la bonne viande crue, là, un bon petit appart. Moi je peux. Tu peux, il y a besoin. Je pourrais même manger la viande avariée. Il y a un talent à prendre pour faire ça. En fait, ouais, le thé vert ne se périme pas apparemment. Ah, il se périme pas, oui, j'ai mis tout ce que j'avais trouvé. Ouais, en fait, non, c'est tout ce qui périme vraiment, qui fonctionne. Par contre, les carottes, ouais, ça fonctionne apparemment et ça donne aussi des fleurs et c'est parfait. On va peut-être les déstacker, les carottes. Oh, ah non, la viande blanche, c'est une prime meat. On est comment niveau composteur ? Ça se plie. Ouais, ouais, je viens de déstacker les carottes que Camille, je sais pas qui. Composteur, j'étais. Ah bah mince, biofuel composteur, pardon. Ah, biofuel, d'accord. Ça se remplit bien. Ouais. On l'emmènera avec nous, au cas où ? Ouais. Faudrait que emmener de la viande crue aussi, non ? Ou un truc comme ça. Ou des branchages, ou on prend le. On peut prendre la carpentry bench avec du bois. Ouais, j'en ai fait 4. Ok. Je vais récolter un peu de fibres. Aussi, il peut faire nuit. Et si on arrête avant de départ ? Oui, je pensais ça. On va pas tarder. J'espère que la mise à jour qu'il va y avoir certainement demain va pas tout foutre en l'air. Ouais, ou nous faire regretter d'avoir.
Vous faire regretter d'avoir pris des décisions parce qu'ils ont sorti un nouveau truc qui aurait été vachement mieux ou vachement bien à tester. Bon, pas de regret s'il y a quoi que ce soit. Allez. Non, mais ça va même, c'est si la prospection merde. Oui, mais ça c'est vrai que ça s'est vu. Enfin, moi je l'ai jamais eu personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu ça. Capo, tu sais que t'es pas obligé d'utiliser les sticks, donc on est dans la forêt hein, pour faire le trisap, pour faire le biofuel, la fibre, c'est. Ouais, non, mais c'est parce que comme j'avais fait beaucoup de branchages, j'ai pris pour faire le trisap et une partie pour mettre dans le biofuel. Comme ça se fait vite. Je peux mettre du bois directement aussi. Là, j'ai plein de bois, hein, tac. Ouais, non, mais pas le bois directement, ça par contre, mais là. Dire, le bois t'embête pas à en couper pour. Sans dire même, tu sais, ça prend 6 bâtons ou un bois. Ça change pas grand chose. Si, parce que. Ouais, t'en fais 10 avec un bois. Voilà. Ah, j'ai coupé 2 arbres là. Ça y va. Hein. Ça y va, t'inquiète. Le 4e, il est presque plein. La rigueur, c'est de la fibre qu'il faut emmener parce que c'est moins lourd. Ah bah oui, du trisap et de la fibre. Mais la fibre par contre, ça les prend 10 par 10. Non, c'est 5 pour les sticks. 5 par 5. Ouais, 5, ouais. Bon, le bâton c'est 5 et le bois c'est pour 1. Ouais. Et la fibre, il en prend 5 aussi? Non, 10. 10. Donc ouais. Un stack de fibre, ça fait autant qu'un stack de sticks. Ouais. Mais ça pèse peut-être moins loin. Ça pèse combien? 1 kilo. 1 kilo et un stack de fibres, c'est 2 kilos. Ouais, donc ouais, ça revient au même en fait. C'est le même rapport de poids. Bah, tu dis un stack de stick, c'est 1 kilo. Non, ouais, 1 kilo. Et un stack de fibres, c'est 2 kilos. Ouais, mais... Donc c'est le double. Non, mais c'est sauf que tu consommes le double, donc ça produit autant. Voilà. Ouais, donc le rapport est le même quoi en fait. Non, le rapport est meilleur pour le stick. Hein? Mais ton stack de fibres, il pèse 2 kilos. Il va produire une quantité de biofuel. Non, le stack de stick, il produit la même quantité de biofuel. Ouais, c'est vaut mieux prendre du stick. Vaut mieux embarquer du stick et garder le. C'est ça. Mais c'est exactement ce que je disais en fait. Oui, je sais pas pourquoi je te contredis. Ouais. Franchement, c'est ridicule. Je refais un peu de save d'arme aussi. J'avance. Voilà. Je relance du stick. Voilà. Ouais, on pourra prendre un maximum de stick. Les fusils, les balles sont pleines du coup. Il y a 200 balles de fête. Il va falloir juste un petit peu plus de légumes en plus, fruits ou légumes, pour faire. Je peux en refaire de la poudre à canon. Alors, ouais, mais avec l'engrais, j'ai fait 10 par 10 avec un seul engrais. Donc, Ouais, mais là, regarde, on a du soufre et du charbon de bois qui sert à rien. On peut y aller. Je peux en refaire une centaine de. Bouge pas. Alors, refais. Je craft les deux 20 poudres là avec ce que j'ai en engrais et tu craftes. Et on complète avec le reste. Ouais. Vas-y, ouais. Pèse en 80. Vous voulez. Je vais ramener le soufre au cas où. On se couche. Oui. On n'y voit rien. Comme ça, on aura 100 balles chacun. Il faut encore que je fasse. Tiens, faut que je récupère de. Faut que je fasse des clous. Un peu de clous. Je vais récupérer du caillou pour refaire. Ah! Refaire des structures à emmener avec nous. Une structure pour poser le biofuel composteur, quoi. Oui, c'est ça. Par contre, regarde ma barre de vie, elle est gigantesque aussi. Ah bah ouais, toi avec 4 buffs. Non, elle est aussi grande que la tienne, par contre. Je viens de voir. Ah bon? C'est comment ça se la mesurer maintenant.
prendre ma barre de stam, ouais, elle fait le double de la tienne. Sortie du contexte, quand même, ouais, la mienne elle est la plus grosse. La mienne est plus grosse, plus grosse, ouais. Plus grande. Et où ? Oh, c'est ouais. Histoire de faire un... mettre un petit peu de cailloux dans la maçonnerie, les... méchant, dans le banc de maçonnerie pour. Ah bah. Ouh, one shot. Je suis plein. Plein d'XP. Somme des forces. Dans la béton ou dans non, la. Non, pierre. Maçonnerie. D'accord. Et tiens. Voilà. Attends, je vais prendre un caillou pour réparer le cul de la hache. Ok, ok, ok. Je répare mon arc. Ah, c'est du bois qui va me manquer. J'en ai mis dans la crafting. Ah bah, il y en a plus. Non, je te l'ai mis dans la... dans la bétonnière. Bois? Oui, c'est ça. Il y en a 172. Ah. Oui, il y avait plus de place dans la crafting tout à l'heure. Qu'est-ce qui me manque des clous encore? Ok, j'ai préparé une petite structure de 1 par 2. Je pense que ça suffira. Dans le banc de maçonnerie. Climatiseur lourd, c'est nouveau ça. Un quoi? Un climatiseur lourd. D'accord. Pourquoi pas? Pour refroidir de grandes zones. Ok, pourquoi pas. Ouais. Un chauffage lourd, ça serait plus... chauffage lourd. Ouais, il y a aussi le chauffage lourd. D'accord. Ça va, c'est pas si cher que ça en plus. Oui, avec les vins électroniques qui coûtent cher, mais. Oui, vins électroniques, c'est quand même pas donné. Ah, d'accord, ok. Je viens de voir, en fait, il faut passer le level 40, si je dis pas de bêtises, pour avoir le dernier truc. Et tu as de l'engrais. L'engrais de croissance et de l'engrais supérieur. Et qui, pour ça, il faut le fabriquer dans le banc d'alchimie. Une banc d'alchimie, c'est quoi ça? Ouais, et un banc de, bah, station d'alchimie, en fait. Si tu préfères. C'est bien. C'est dans tier 4, tout à droite, tout au bout, en haut. Ah! Le banc de chimie, plutôt, j'aurais dit. Et c'est traduit en oui, alchimie? Non, non, c'est écrit chimie. Je sais pas, oui. J'ai dit alchimie parce que. Habitude d'un autre jeu. Ça doit être ça. Ah oui, il faut des matériaux composites, carrément. Oui, les composites, c'est tellement chiant à faire. Il faut la fournaise électrique. Il faut le biofuel générateur. Surtout la fournaise électrique qui est compliquée à faire. 60 électroniques pour faire la fournaise électrique. Hein. Non, bon, on attend juste là la poudre à canon. Elle doit être faite, je pense. Non, 92. 93. J'ai remis du fer à fond parce qu'il y avait... Ah bah tu les as déjà pris, ok.
mettre du trisap à trisaper. Il s'appelle Trisap. Bon, on a plutôt bien avancé en une soirée. Ouais, je pense que là, on va être pas mal. Ouais, on prend pas mal d'automatisme maintenant. Ouais. Tu vas refaire de petit peu de fibre. J'ai même pas regardé les emplacements sur la carte, mais à scanner. Enfin, c'est... Il n'y a pas de surprise, c'est tout dans l'article, mais est-ce que c'est tout à un endroit ou est-ce qu'il faut faire les totalités encore? Mémoire, c'est la totalité. Est-ce qu'ils ont changé ça? Non, ouais, c'est la totalité. Ok, on a nos fusils, nos 100 balles. Et un mars. Je m'en doutais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. Truc de ouf. C'est presque synchro. Oh merde. Il y a un loup qui a grogné, j'ai cru que c'était moi qui l'attaquais, mais en fait, non. Oh, punaise. Ouh, j'ai tué 500 bestioles avec un arc. Yeah. Ah oui, il faut qu'on fasse les trois zones, elles sont assez écartées les unes des autres, on va devoir faire pratiquement tout le biome hiver. Ouais, c'est ça, on fait tout le biome arctique. Alors, ça, pas de régénération. Ok. Bon, bah, on est pas mal. Il n'y aura plus qu'à demain. Ouais. Ah, bah, tiens. T'as fait que deux extracteurs? Ça, il me faut des fleurs de roseau. Ouais, bah, parce que moi, j'ai un scanner sur le dos. Hein. Je peux pas en prendre un troisième. Ah, oui, c'est vrai. Regardez, dans le biofuel composteur, j'ai un petit cadeau pour vous. Biofuel composteur. Cool. Merci monsieur. Ah, ça me dessine une torche dans le truc, c'est marrant. Ouais, bah, c'est une torche. Ah ouais. Ouais, mais ça dessine une. Ça me fait le dessin d'une torche quoi. Ah bon? D'une torche en bois? Quelqu'un allume une torche en bois là. C'est pas ça. Ça m'a dessiné une torche en bois moi. Quand je l'ai mis dans mon truc L. Ah bah en fait, bizarrement, t'as attrapé ma torche en bois que j'avais dans mon inventaire. Parce que j'ai attrapé en même temps. Mais en fait. C'est bizarre parce qu'elle était dans mon inventaire. Je l'avais retirée, je l'ai posée dans mon inventaire et après j'ai pris la torche et bizarrement c'est toi qui l'as. Pourquoi? Mystère. Ah ouais, c'est mieux déjà. Oui, je sais pas. Parce que ça a inversé en fait. Ça serait fait un truc bizarre. Mais bon. Ouais. L'idéal, bon, c'est d'avoir tout ce qu'il faut. Ça, je dégage. Moi, j'ai mes 100 balles et mon Mars. J'ai fait quelques petites potions de régénération immunitaire et puis de boost immunitaire. Je peux pas vous faire pour la stamina parce que j'ai pas trouvé fleur de rose. Oh, c'est pas bien. Je prends la. Ah non, c'est pas la poison pest qu'il faut, c'est l'antipoison. Tu l'avais fait? De l'antipoison, j'en avais fait. Oui. Et je m'en prends 3. L'antipoison et l'antibiotique. J'en ai déjà 3 antipoison, moi, donc je les ai pas utilisés tout à l'heure. Sinon, c'est les boosts qui. Elle serait gêne. Effectivement, anti-poison. Okay.
Régénération immunité. Ah oui, c'est vrai, ça donne de la santé. Le buff de santé, t'en as fait 60 secondes. J'en ai fait 15 en fait. Bah, j'en ai pris 5. Il y en a qui sont pas, ils sont pas finis les autres, c'est pour ça. Ah oui, ah oui, c'est ça. Il y en a 8 à faire. Okay. Il y en a 5 chacun normalement. On va juste prendre les structures et puis le biofuel composteur et le biofuel can. Et faire des lits. Il refaut de la sève d'armes alors aussi à emporter. Ouais. Genre lance. Il te faut quoi pour la sève d'arbre? Il te faut des branches? Ouais, non, mais il y en a plein là-bas dans le truc de menuiserie, t'inquiète. Ouais, mais j'en avais sur moi, ça évite de me vider. Ouais. J'ai trouvé faire 3 lits sur moi, donc. Ok, t'as pris toutes les fourrures qu'il y avait dans le crafting? Non, mais j'en avais sur moi, j'en ai 103 sur moi, donc j'ai trouvé faire 3 pieux. Ouais, j'ai pas arrêté de mettre la fourrure, on a 272, donc c'est bon, t'as ce qu'il faut pour. J'ai tout ce qu'il faut pour faire 3 lits sur moi, donc vous en mettez pas tous avec ça. Moi j'ai des structures. Fais 3 lits directement, ça prendra moins de place. Bah si. Si. Moins lourd, peut-être. Ouais. Il faut 20 fourrures et un stack ça monte jusqu'à 100. Donc, voilà. Ouais, mais en termes de poids, je sais pas. Non, mais ça va bien comme ça. Ouais. 1 kilo les 100 cuirs. Je peux prendre 2 biofuel cannes par exemple. Je fais 112. Pas de cuir. On va prendre la carpentry bench. Je vais me remplir de branches. Ou alors on prend que les sticks. Voilà, j'en ai pris un paquet. Je vais mieux garder un peu d'os et de cuir. Ah, quoique non, je vais me faire des flèches, ça sera mieux. Ah oui, ça c'est pas faux. Faire des flèches, ça sera mieux. Hop, ouais, faut que j'aille récupérer des branchages. Du bois, j'en ai pas besoin. Ouais, du bois peut-être pour le feu, si on se fait un feu. Du bois ou du charbon, parce que le charbon ça dure longtemps. Mais c'est lourd. Bah oui, mais vu le temps que ça dure, je sais pas si c'est pas plus rentable que le bois. Je sais pas. Bah de toute façon, on verra ça demain. Ouais, j'ai pas mal de bracelets sans moi. Qu'est-ce qu'il me faut de route? Je vais prendre du trissa. En train de se craft. Moi, après, pour me dire ce que vous voulez que je prenne, j'ai mon inventaire complètement. Ah, je vais prendre la bouffe, moi. Tu prendras de la bouffe, ouais. Ouais. Mais là, il y en a qui est encore en train de se faire. Par contre, ah oui, c'est dans celui d'en dessous. Pourquoi il y a du bacon qui s'est trouvé dans le mauvais feu? 5. C'est peut-être moi. Je l'ai mis au milieu, moi. Ouais, bah voilà. C'était à droite que tu l'avais mis à l'origine. Ah oui, effectivement. C'est pas grave hein, maintenant, il y est, il y est. White meat, elle est bonne la white meat. Ça fait un buff. Ouais, d'accord. Et la prime meat. Ok. Ouais, ça, d'accord. Le boost immunitaire, en fait, ça monte tes PV de 10% pendant 60 secondes. Ouais, c'est pas énormissime. Hein. C'est bien, mais. C'est le même, je trouve. Bah, c'est même nul en fait, pendant 60 secondes, t'as 10% de PV en plus. Oui. Bah, ça peut aider en début d'un combat ou quoi que ce soit. Ça peut... Ouais, pourquoi pas. Oui, juste avant de s'affronter à un ours. Ouais, pour encaisser une baffe par exemple, ouais, pourquoi pas. Mais bon, ça va pas chercher bien loin. Bah, ouais. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Oui. Et demain, on va faire le scan et puis on. On est quasiment sûr de trouver l'exotique, donc on va se mettre à l'exotique. 1, 2, 1, 2, 3. Pourquoi j'ai encore la caisse, moi, c'est on l'a toujours. Oui, moi aussi, on l'a toujours. Oui, on l'a toujours. Sur la map. Il faudrait faudra pas oublier de prendre les... Attends, ben, je vais prendre le truc sur mon dos tout de suite. Pour ouais, pourquoi pas. Ah ouais, prenez-le. C'est un coup à partir sans, ça, c'est... Ouais. Derrière toi, au fond, dans le machin, ici, ouais. Là. Vous aurez aussi à prendre les biofuel can et le biofuel composteur. Ouais, je vais prendre la bouffe aussi. Et puis le trisap. Je vais prendre 2 sticks. Normal. J'en ai 3, j'en ai 400 trisap. Tout ça. Pourquoi le bacon il est dans celui du milieu? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, exactement. Prendre 2 canettes de biocarburant, voilà, moi je suis.
Ah oui. J'ai du branchage, j'ai 4 centris, ça. J'ai toute la bouffe sur moi, donc... Surtout qu'il y en a plein qui vont périmer bientôt, donc autant que je les garde sur moi. Oui. On n'est toujours pas le gravier, les balles, c'est où? On les a pas... Je les ai pas pris. Hein. Dans la machine du bench. J'ai pas pris le fusil ni les balles non plus. Je prends mon fusil tout de suite, donc j'y pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mes balles, donc je vais les mettre. Je vais retirer ma hache avec le fusil. Ça, c'est ok. On va recharger le fusil. Ah, et le bacon, il est passé où? Le bacon qui était en train de cuire? En train de cuire, je sais pas. J'ai que du cuit, moi, sur moi. J'ai 27 cuits. Il y avait pas du cru? Dans le milieu, non. Il y avait du cru tout à l'heure. Ouais, j'ai 27 bacon cuits. Je l'avais mis à cuire et il y a du cuit entre nous. Ok, bah tout à l'heure, il était pas encore cuit. Tiens, tu peux m'en lâcher, hein? Dans le feu du milieu, par exemple. Ouais, un ou deux, vas-y. Ah bah désolé, j'étais dans le feu du... dans le premier feu, donc je t'avais mis dans le premier feu. Ah, toi aussi dans le... Ouais, voilà. Bien. Merci. Et sinon, t'aurais pu me passer le stack, je mangeais dessus et comme ça, le stack était tout frais. Ouais, ouais, c'est... Mais de toute façon, faut que j'en mange un, donc... En tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir. On refera notre checklist de demain avant de partir. Et puis... ça va bien se passer. Donc, bah ouais, merci bah... messieurs. Merci à vous trois. Et puis, merci à tous ceux, à vous trois, à vous deux, d'habitude. Et puis, on se retrouve donc demain pour la suite des aventures. Merci à tous ceux qui ont regardé. Merci Sabda, merci XK. Et puis, bonne nuit à tous et à demain. Allez, ciao. Merci les gens, bonne soirée. Bye bye.